Bonjour. Le 9 février 2020, vous, les citoyens de la commune de Tcha, êtes appelés aux urnes pour désigner la personnalité qui va diriger votre commune pour les 5 prochaines années. Tout d'abord, vous avez deux options. Soit vous boycottez, soit vous allez voter. Pour vous aider à faire votre choix en toute âme et conscience, Tchan Hebdo vous propose une série d'interviews dans cette période de campagne électorale. Ainsi, dans le cadre des vidéos baptisées « C'est vu de Tchan », nous donnerons la parole au Dr Christian Folefak, secrétaire à la Fédération départementale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans la Maine-et-Loire, lui qui mène le front du boycott à Tchan. Davantage, vous aurez dans cette série d'entretiens le passage des représentants des partis engagés dans la course au management de la cité de Tchan. Baudelaire Donfac, le maire sortant, viendra sur cette plateforme pour défendre son bilan. Jackie Kemleu, tête de liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dira pourquoi il faut plébisciter le groupe de 41 qu'il conduit. Le socialiste Étienne Sonquin, qui conduit la troupe du Social Democratic Front, vous dira quel est son plan de campagne. Solange Tsanan, du Parti des Patriotes pour le Développement du Cameroun, le PADEC, viendra ici nous dire ce que son groupe propose pour les 5 prochaines années à Tchan. Nous vous donnerons aussi la parole pour que vous vous exprimiez sur vos attentes. Quant aux scientifiques que nous irons chercher à l'université de Tchan notamment, ils viendront sur cette antenne préciser les enjeux de cette consultation électorale dans notre ville. Et enfin, il appartiendra à un représentant de l'antenne locale d'Elecam de vous dire quels sont vos droits et vos devoirs en tant qu'électeur le jour du vote. C'est vu de Tchan, prenons rendez-vous pour très bientôt.